On va reprendre une nouvelle VOD. Salut à tous, salut YouTube. Bienvenue sur Jurassic World Evolution 2. On va continuer l'expansion du parc du Jurassic Park pour atteindre les 6 espèces et les 3 étoiles. Donc on va faire ça. Alors, au niveau des expéditions, on va essayer de terminer le génome d'Apatosaur. Donc on va faire, extraction plus rapide, expédition plus rapide. Notre ami, on va l'envoyer là. Comme ça, hop, il sera tranquillou. Les toilettes, c'est que ça dit quoi? Je voulais voir un peu la couverture des toilettes. 96%, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Les bunkers, on va regarder un petit peu où ça va pas. Ah, là-bas, il en faudrait un. Ok. Près de l'entrée, bon, très bien. Parfait. Ah, Lobus et Momon sont en train de se battre. Qui c'est qui a encore fait le con? Oh, Lobus, il s'est imposé contre Momon, on dirait. Et en plus, je crois que notre Momon, il a une petite pathologie. Bon, allons voir, allons faire un petit contrôle. On va faire des petites réparations par-ci, par-là. Et si on peut lâcher des apatosaures dans le parc, les gars, ça va être beau. Donc là, on a quasiment 3 étoiles. Ah, l'anodino est mort. Qui? Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Les visiteurs ont besoin de plus de boissons. Ok. Et bon, on va mettre des boissons ici, il n'y a pas de souci. Peut-être que je vais monter. Alors, attends. Si je mets un commerce moyen de boissons. Voilà. Alors, on va voir un peu la répartition de la pop. On peut tellement mettre de trucs encore, tu me diras. Voilà. Comme ça, on va se faire... Ah, un autre dino est tombé, mais j'ai pas vu c'est qui. C'est pas les compis quand même. J'ai l'impression que mes compis se font croquer là. Ah monsieur, ah mais c'est les Véraptors, c'est vous là. J'adore les Compsognathus, ouais. Ah, on a une nouvelle amélioration disponible. Ah, on a terminé des recherches. Alors. Donc là, on va voir aussi du Dryosaurus, ça pourrait être utile. Et là, on complète à fond l'apatosaure. Donc on va partir sur ça. Alors on va faire extraction plus rapide. On va commencer à libérer un peu de place. Ah, et après on me demande, ouais, pourquoi tu veux te débarrasser de raptors intolérants? Bah, à mon avis, parce qu'ils bouffent des compsos. Je sais pas, hein, c'est ce que je vois. Hein. Alors, l'Apatosaurus, qui est là, de toute façon. Les 3 étoiles, on les a sur ce parc. Très bonne nouvelle. Ok, je vais envoyer le MV parce que je vois qu'il y en a qui sont pas très coopératifs. Ah, l'apatosaure est complet, super. Alors, je vais juste voir par curiosité. Modification du génome.
Ah, appétit vorace. Bon, bah, on va essayer de le débloquer. Donc, recherche plus rapide et recherche moins cher en combo. Ah, il manque un point de recherche. Bah, déjà, on va partir sur. Je peux pas le former, lui. Alors attends, déjà au niveau des fossiles. Qui c'est qui se fait blesser? Ah, griffe incarnée, c'est quoi ça? Ah bah Momon, il y a quelqu'un qui t'a fait un sale coup. Je sais pas c'est qui, mais j'ai des soupçons entre. Là, attends. Il me manque un raptor là, non? Non, il est là. Lobus, apparemment, c'est le mâle alpha. Bon, très bien. On va. Momon, on va aller te soigner, on va savoir. On va trouver le coupable, hein, t'inquiète. Comment ça, il se l'est, mais vous êtes, il faut que vous soyez combien? Donc, il cohabite bien avec les raptors. Vous devez être combien dans le groupe? Ah, vous êtes très peu, effectivement, donc. Ah, et Petite Futée et Loubou sont en train de se battre maintenant. On va refaire des compis. Donc, là, ce sera de l'extraction. Non, pas de l'extraction. Synthèse plus rapide. Et salaire altruiste. Allez. Ensuite, on va transporter le brave Momon à l'établissement. Qui c'est qui va s'occuper de toi? Allez. Alors, sélection des œufs. C'est plutôt pas mal tout ça. Alors, ce sera incubation plus rapide. Let's go. Allez, on va lâcher encore des heures de compu. T'inquiète, je me réincarne en Triceratops. On va y réfléchir un moment parce que les tricés, c'est pas des cadeaux non plus, si tu vois ce que je veux dire. Attends, j'ai fait la recherche au fait que je voulais. Alors, recherche moins cher. Et on va partir sur cette partie. Parce que bon, les apatosaures, hein, c'est pour ceux qui se rappellent, ça bouffe bien. Ah bah maintenant, Petite Futée aussi blessée. Hop, on va lâcher toute la horde de compis. Ils sont 8, hein. Ils sont rigolos les compis, hein. Bon, en groupe, attention. Il y en a un qui en a fait les frais, hein, je rappelle. Très bien. Alors maintenant, on va voir pour l'apatoso, on va essayer de corriger ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de corriger des trucs. Ah, on a des nouvelles peaux disponibles. J'ai 5 points de modification disponibles. Parfait. Il me reste encore un point à mettre. Pas mal du tout ça. Tu sais quoi, on va affecter les scientifiques, on va faire de la synthèse. Taille de la couvée attendue 2. Ok. Comme ça, on aura déjà les 6 espèces. Ah, il faut encore.
Hop, c'est parti. Au niveau des fossiles, où est-ce qu'on en est? Ah, il nous reste un génome de dryosaure qu'on va faire maintenant. 61%. On va renvoyer une expédition pour... Où est-ce qu'ils sont? L'apatosaure, c'est bon. On va envoyer pour le dryosaure. Hein. Je pense qu'on va faire des couvées d'ornithomimus. On va faire un enclos d'ornithomimus là-bas. Ah, un dino est mort. On se demande qui. Ah non, je suis sûr, il y a les raptors, j'ai pas de preuve, mais je pense qu'ils attaquent les compis. Hein. Et j'en ai deux dans le viseur, donc je dirais pas les noms. Alors, sélection des œufs. Eh, peu vorace, hein. Ça coûte combien? Eh bah, tu sais quoi, on va lâcher deux apatosaures. Donc, ce sera incubation plus rapide. Et recherche plus rapide, ça va nous faire gagner du temps. Et je sais où on va mettre nos apatosaures. Enfin, je pense avoir une idée d'où les mettre, justement. Je pense que je vais le mettre avec tout ce qui est avec les tricés, je pense. Ils ont l'air de les... Non, ils le tolèrent pas. Attends, je dis une connerie. Non, 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 non. Pas avec les tricés. On va les mettre... Avec les parasos, ça pourrait être un bon plan, tu me diras. On va les transférer ici. Avec les parasos, ça pourrait être rigolo. En espérant que ça passe. Peut-être qu'il faudra juste agrandir un peu l'enclos, je pense. Et Mitrandir et Momon qui se battent, bah les raptors, je sais pas si vous avez, mais surtout vous là. Surtout les deux premiers. Oh punaise, oh le joli bug là. Admirez-moi ce bug, messieurs, dames. Ah, pour les sauropodes. Je vais le prendre en capture d'écran. J'aimerais pas être à la place de ce sauropode, de cet apatosaure. Hein. Ouais. En vrai, je pourrais laisser mourir le Mitrandir, si j'y réfléchis. Parce que tu... Bizarrement, Mitrandir, quand t'es l'un des... Non seulement t'as une limite de 30% de cohabitation, et t'as une chance de 30% d'attaquer une équipe de garde. Ça se discute. Alors, t'es à combien de pourcents, toi? Bon, on va voir un peu comment ils se comportent, les apatos. Alors, il est à l'aise. Il va falloir peut-être un peu plus d'eau. Là, par exemple. Au niveau de la forêt. Alors, qu'est-ce qu'il aurait besoin de plus? Feuilles en hauteur et forêt. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit combo? Eh ben, ça commence à être intéressant. Ah, on a fait les objectifs. Ah! De l'intérêt d'être près des dinosaures, c'est le danger que certains représentent. L'attrait de la peur instinctive. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est quelque chose de plus grand, de mieux, comme un tyrannosaure. Pourrais-je avoir un T-Rex? Quoi? On peut vraiment avoir un tyrannosaure? Quand nous aurons agrandi le parc et créé un enclos adapté. Agrandir le parc est une excellente idée. Le tyrannosaure est le dinosaure le plus célèbre. Et maintenant, quand les gens viendront à Jurassic Park, ils pourront en voir un de leurs yeux. J'ai craindre de se faire dévorer. L'illusion du risque sans risque réel, c'est notre objectif. Avec un tyrannosaure.
Alors, ça donne quoi? Encore plus de feuilles en hauteur, allez. Plus de feuilles en hauteur, mieux ce sera. Mais bah voilà! Les deux apatos vont être ravis. Alors, est-ce qu'ils sont assez nombreux, par contre? Ouais, ils sont déjà deux, c'est pas mal. Par contre, il me dit qu'il y a un dinosaure blessé, là. Qu'est-ce qu'il s'est foutu, lui? Bon, je vais aller voir avec ma station, là, parce que ça... Je sais pas. J'espère que c'est pas lié aux plantes. J'ai peur que ce soit ça, en fait. Sinon... Hop, ça, c'est good. Le King City Rex va apparaître. C'est pas faux. Je ne veux pas faire de spoil, mais il va bien apparaître. C'est comme avec Spider-Man No Way Home, hein, n'est-ce pas, Momon, si tu vois ce que je veux dire. Là, j'ai combien de visiteurs dans le parc, là? On est vraiment pas mal niveau truc. Bon, les commerces, c'est plutôt cool. On a une petite faiblesse pour la nourriture, par contre. Donc, je vais essayer de voir pour des nouvelles recherches. Tiens, par contre, je vais juste voir combien ça coûte les expéditions pour le T-Rex qu'on pleure. Alors, attends. Le T-Rex, c'est un grand carnivore, je suppose. Ah oui, il faut que j'aille jusque-là. Il me faut 4. Mon parc a 3 étoiles, bon, ok. Recherche moins cher. Par contre, là, j'ai pas assez de recherche pour. J'ai pas assez de développement à l'heure actuelle pour les scientifiques. Je vais peut-être essayer d'en rajouter un dernier. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Elle réduit encore la tâche des expéditions. On va le recruter, lui. On va essayer maintenant. Alors, admettons, on va tenter un truc. Au niveau des recherches, pas des carnivores. Au niveau des infrastructures. C'est quoi, on va former nos scientifiques jusqu'au niveau 3. Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir? De la logistique. Et là on va gagner un peu de sous comme ça. On va essayer d'optimiser tout ça. J'ai aussi envoyé en congé. Alors toi, je t'envoie en congé. Toi, c'est pareil. Et les deux là, ensuite, ça sera leur tour. Au niveau des expéditions, je peux rien faire de plus pour l'instant. Par contre, qu'est-ce que tu penses de l'évolution des étoiles? Je trouve que c'est plus difficile. Mais moi, il y a un truc, je pense qu'ils l'ont pas modifié. Je vais m'expliquer, alors attendez. Je vais le voir rien qu'avec le Struciomimus. Je vais vous expliquer comment. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là, toi. Vous voyez le Struciomimus là? Avec une note de 14, il a quasiment une étoile. Et j'avais fait le calcul dans le 1. Une étoile, ça rapporte 20 points. Quand vous en avez. Donc quand vous avez 5 étoiles, c'est là que votre dinosaure a une note de 100 points. Alors moi. Alors je veux pas cracher dans la soupe, le jeu est bien. Mais pourquoi ils n'ont pas fait un système. Alors. De points, pas par seulement par rapport à un point, c'est un point, une étoile, c'est un point, mais j'aurais fait un système de notes en fonction de l'espèce. Par exemple, les ornithomidés comme le Struciomimus, le Dryosaurus, le Gallimimus, etc. Revoir un peu le système par rapport au groupe, vous voyez, par exemple, par rapport à un tyrannosaure, un parasaurolophus ou un apatosaure, j'aurais fait un système de notation différent. Je sais pas si vous voyez mon idée.
en fonction de l'espèce, de la taille, c'est toujours comme ça, ce genre de facteur quoi. Parce que là, c'est le même système, je trouve que c'est dommage quoi. Mais après, j'aime bien le fait aussi, alors pour les étoiles, le système de progression, ça, tu peux pas tout rechercher tout, donc faut remplir des trucs spécifiques et c'est plutôt cool quoi. Donc là, on va accorder un congé, congé, congé. On va tout reboot tout le monde. Donc là, 5-6 scientifiques au repos. Ah, évidemment, et vous les raptors, hein, vous arrêtez jamais. Hein. On va envoyer une EMV parce que je sens qu'il va y avoir un truc. Donc là, tous nos scientifiques vont revenir frais. Et je vais voir pour faire d'autres recherches après. Tiens, vous, les raptors, vous êtes chiants au niveau des fractures. Bon, on va envoyer. Alors, c'était qui était blessé? C'était Momon. Alors, Momon, c'est sûr. Oh, attends, quoi? Et t'as quoi, Momon? Bon. Je vais me faire un contrôle de routine. Alors, on va repartir sur les recherches. On a accumulé pas mal d'argent. On a encore deux recherches possibles ici. Donc 500 000, ça fait un peu cher. Électricité, on a des trucs qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire des trucs de logistique. Ou alors, attends, avant de faire ça, on va améliorer nos scientifiques. Alors, toi, tu as 7 en logistique. Je vais te rajouter un point de génétique. Toi, tu as 2 points de formation dispo. Alors, qu'est-ce que je vais te mettre? Un point là. Et un point en bien-être. Toi, tu es doué en génétique, on va te buffer à fond en génétique. Toi, on va te former aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre? Un point de génétique, un point de logistique. Deux points de génétique. Toi, on va te mettre deux points de bien-être. Toi, un point de bien-être. Un point de logistique. Et toi, on va te rajouter un point en génétique. Voilà. Bon. Alors, qui va s'occuper de toi? Il faut 5 points de bien-être. Bah justement, toi. T'es doué là-dedans. Et toi? Donc lui, il n'y a pas de blessure grave. Bon, bah Momon, tu vas rester là où t'es. Alors, au niveau des recherches maintenant. Donc toi, tu vas aller dans l'extraction des fossiles. Au niveau des recherches, sur quoi je vais partir? Je pourrais encore agrandir des commerces. Mais bon, même si pour le moment le confort des visiteurs ça se passe bien.
Donc là, il faudrait que j'accueille des différents visiteurs à chaque fois. Ok. Donc là, on va pas aller sur les commerces, c'est pas la priorité. Je crois que j'ai commencé à renforcer un peu les grilles. Il nous faut 3 de logistique. Ah, la 4 justement, parfait. On va renforcer un peu les grilles parce que les raptors, ça me fait un peu peur, hein, vu que ce sont nos seuls carnivores du parc, entre guillemets. Parfait. Donc là, je vais retourner avec le Dryosaurus. Pour moi, le système de, comme je disais, le système de classement de soins, il est pas adapté. Après, peut-être que j'en demande trop, hein, on va me dire. Ah, la clôture moyenne a été finie. Est-ce que je peux voir pour encore améliorer ça? Là, j'ai une pathologie, je sais pas ce qu'elle a alors. L'expédition est terminée. Ensuite. Alors, les fossiles, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là, on va voir les 5 derniers pourcents qui nous manquent. Au niveau des recherches. Là, je peux encore déverrouiller plein de trucs. Je vois un peu au niveau de la manipulation génétique si je peux pas me refaire quelques trucs. Donc là on est bien, on en a fait quasiment les 2/3. Alors c'est quoi ça? Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Ouais, 12 en génétique et 3 en logistique. Admettons. Bon, on va faire ça, allez, let's go. Ah. Où je vais faire l'enclos du tir avec ça, c'est la question. On en... Ah, j'ai pas vu qu'on avait une extension ici. On pourra y réfléchir. On pourrait faire un autre enclos là-bas, tu me diras. Avec une grosse extension avec le lac. Petite fusée peut être transportée. On va te remettre dans l'enclos avec les copains. Ah, il y a encore un compi qui a péri. Hein. Bon les gars, désolé, Mythe et Momon, Mythe et Petite Futée. Je vais vous vendre parce que vos gènes antisociaux nous mettent dans la merde. Mais quand je vous dis qu'ils nous mettent dans la merde, ils nous la mettent dans la merde. Voilà. Parce que vous attaquez à tout bout de champ les trucs. Bah, il est où le dernier raptor? Elle est où, petite futée, au fait? Ta fuck, elle est où? Tu t'es fait fracturer quelque chose, toi, c'est ça? Bon. Attends. Ah bon, je vais refaire encore des compis. Ah, il y a un compi qui s'est fait croquer, c'est ça? Ok, c'est la petite futée, je l'ai vue. Donc c'est bien ce que je pensais, hein. Bon, j'aurais pu m'en rendre compte à un moment, mais... Petite futée.
Ah, je peux pas vous vendre, mais vous faites chier en fait. Je vais attendre que vous canez, hein, tant pis, hein, j'ai pas le choix. Par contre, moi, je vais te transporter. Ok. Il va nous falloir 5 de bien-être. Toi, t'es bon. Très bien. Non, là, c'est pas rentable si je fais ça. Sur quoi je vais partir maintenant? Je vais partir sur le Hoplocéphalus. On gagne France 40. Ouais, à mon avis, je vais attendre que vous canez JS. Vous avez quel âge, vous deux, d'ailleurs? Parce que vu le bordel que vous faites, hein, vous pouvez me comprendre. Ah, il y en a qui sont plus que 6 mois à vivre. C'est rugby, Mitrandir. Alors. Ou au pire, je vais vous foutre avec les... Je vais foutre les compis avec les tricets, tant pis, hein, je vais faire ça. Comme ça, ils éviteront de se faire bouffer par les cinglés que vous êtes. Je connais que... En termes de sport, c'est déjà pas mal. C'est un peu loin, un cousin du rugby, on va dire. Alors, il va nous faire plus de logistique. Allez, on va tout de suite hopper nos clôtures. On va en avoir besoin. Donc ça, c'est fait ici. Oh! On va se faire du pognon, là, à mon avis. Alors... Rien que là, ouh, regardez ça, 230 x 3, on est à 190 000. Les 80 000 ici, ça fait 700... Alors, 690, j'ai dit, ça fait 670 000. Tu rajoutes encore 400, on va se faire 1 million, rien que ça. Allez, le million, comme on dit. Donc là, les compis sont en cours de synthèse. On a 3 là, hop. Je vais faire incubation plus rapide et je vais les mettre chez les tricés. Donc là, ce qui fait que je vais devoir virer des trucs à viande. Parfait. Allez, transport par pont aérien. Voilà, les 6 compis vont arriver. Comme ça, ah, Momon, on va te remettre dans l'enclos puisque t'as les raptors racistes. N'est-ce pas, hein? Très connu. Hein. Salut Alf. Ah mon. Là je suis plutôt convaincu du jeu, je t'avoue. Bon. Certains se posent la question pourquoi d'un 2, mais je pense que c'est. Juste ce que j'ai vu, je pense que c'est justifié. Bon. Là, t'as tout. Ouh là là, une tempête. Ok, attends, excuse-moi. Les dinosaures sont plus réalisés dans leur comportement. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Il y a une gestion du personnel plus aboutie avec les scientifiques et tout ça. Les recherches qui se débloquent au fur et à mesure de la réputation de ton parc. Une gestion des visiteurs plus poussée. Par contre, attends, j'ai une équipe de garde. Bon. Une équipe, les équipes de garde, t'as les équipes de MV maintenant, c'est plutôt pas mal, j'aime bien ce qu'ils ont voulu faire. T'as un truc de soins des dinosaures ici avec ce centre que tu vois là, le centre paléomédical.
Je suis plutôt convaincu, pour ma part. Et le mode, donc le mode campagne, bon, le petit reproche que je pourrais lui... Ah, ok. Je vois qu'il y a, des raptors qui se font la main, n'est-ce pas, hein? Encore les mêmes. Il n'y a qu'avec les raptors que j'ai des problèmes, mais je crois qu'il va être temps d'up mes clôtures. Donc j'ai juste attendu que les deux raptors retournent dans leur enclos. Les deux délinquants, bien sûr. Et surtout, ce que j'aime bien là, rien que le truc, Alf, c'est que tu peux incuber plusieurs dinos en même temps. Alors, il y a un bâtiment qui a eu un souci. Ah. Ok. Donc, il y a de très très bonnes choses sur ce jeu. Voilà, parfait. Bon, maintenant. Alors, mes clôtures, elles sont prêtes ou pas? Je vais regarder les recherches de clôtures. De toute façon, si je dois accueillir un tyrannosaure, il va me falloir ces clôtures là que vous voyez. Il va me falloir les clôtures renforcées au maximum. Je crois que c'est la clôture qu'on voit dans Jurassic Park 3. Dans le 1, il me semble qu'on la voit pas. Quand on voit avec le spinosaure, vous voyez. Clôture. Donc là, on va faire du remplacement de clôture ici, hein. Désolé les raptors, hein, mais vous l'avez cherché un peu. Ah, trop proche d'un dinosaure, ok. Ah, on va perdre des sous, je sais pas comment ça se fait. Tu vas voir que c'est... Ah oui, mais oui, les clôtures, ça se monte automatiquement. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Santé fragile, ou ça? Ah, il y a des des compis qui se sont retrouvés... Là où il fallait pas, on dirait. Ah putain, les raptors sont en train de foutre la merde. Ah putain de merde. Bon. Alors lui, toi au moment, tu vas vite regagner ton enclos. Arrête d'aller chez les autres, hein. Fais pas chier. Alors, ça va. Par contre, les raptors, vous êtes compliqués, hein. On va tout approvisionner à fond. Parfait. Alors, niveau fossile, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? L'extraction de Céphalus. Toujours pas de carte vidéo en vue. J'espère qu'en début de fin d'année, sinon une telle. Ouais, bah. J'ai l'impression que ça. Plus on avance, moins ça va aller. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment, mais. J'ai l'impression que là, l'inflation, elle va durer encore un petit moment. Donc. Ça, c'est chiant, quoi. Mais on voit que une épidémie, ça peut faire très mal. Alors, toi, t'as des collègues d'expédition. Alors, c'est où j'ai foutu mon centre de ressources humaines, c'est pas ça. Attends, je peux faire des up ou pas? Il y aurait des congés, ouais. Alors, le centre des sciences, je pourrais faire des trucs ou pas? Alors, je peux faire quoi? Ah, merde, j'ai fait une connerie. Bon, on va rien, on va prier. Bon, regardez, ça va vite remonter, vous inquiétez pas. Ah ben oui, on va faire des photos, je suis con. Ouais, en ce moment, il vaut mieux, ouais, en ce moment, pour le PC, je suis d'accord.
Ouais, comment... Eh, j'ai perdu un morceau. Et ça, j'aime bien aussi, Alf. Rien que d'imaginer... Rien que d'imaginer mon véhicule se dégrader quand il prend des dégâts. Ok. On va se faire un petit safari photo. On va se refaire de l'argent. C'est vrai que j'ai complètement oublié le safari, hein. Alors là, on est où? Chez les Strucio Mimus, les complotistes de Camarade Sijenin. Regarde-moi ces gueules de con, quoi. Toujours apprenez le communisme, mais non merci, hein. Allez, cassez-vous les complotistes, avant que Sijirex arrive, là. Ouais, c'est ça, casse-toi. Ah, il a une fracture, lui. Oh, putain. Et un apatosaure, va-t'en le transporter. Qu'est-ce que vous foutez, là? Le souci, c'est que j'ai besoin juste d'une carte vidéo. Alors, si je dois une tour... Alors, si je dois une tour juste pour la CV... Hop, voilà, on va faire le nécessaire. Alors, au niveau des trucs là, où est-ce qu'on en était? Donc là, on ne sait plus rien. Alors, l'Oplocéphalus, ok. J'ai tout de suite extrait les fossiles en question. Donc là, on est à fond niveau place. Alors, 39%. Alors, extraction plus rapide, vas-y toi. Aïe. Donc là, on a un petit peu eu des combats, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais bon, c'est comme ça. On va refaire des compis. Alors, ce sera synthèse plus rapide pour toi. On va refaire des compis avec les tricés. Parfait. Donc on aura le Hoplocéphalus à 65%, ce qui est plutôt cool. Donc là j'ai plus assez de trucs, ok. Ok, très bien. Bon, ils disent que c'est pas une tempête. Comment ça, clôture endommagée? Où ça, clôture? D'où clôture? Oh non, mais au secours! Donc là, il y a quoi? Hémorragie... Attends, quoi? Hémorragie interne ici? Ok. Il y a un beau bordel qui se passe là. Je vois un dinosaure cané. Ah, mais c'est Mitrandir. Enfin, pardon, mais... Monsieur, vous avez été un peu chiant. Donc là, on va faire incubation plus rapide. Il y en a un qu'on va envoyer tout de suite en congé. Parfait. Au niveau des recherches, on pourra avoir le Gallimimus, tu me diras. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, 2 en logistique et 9 en génétique. Ah, fonds insuffisants. Ah! Un peu embêtant ça, les fonds insuffisants. Et en plus qu'on a un de nos pensionnaires qui est décédé.
Oula, je perds du fric là. Comment ça se fait ça? Waouh, 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 qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je perds du fric comme ça? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Ah, les honoraires d'avocat, ok. Et là, il y en a un qui fout rien. Tu peux pas me dire que je perds tant d'argent parce que il y a. Oula, ça. Là, bah ouais, mais j'ai rien fait, je sais pas d'où. Ouh, je perds beaucoup, beaucoup trop d'argent là, c'est pas normal. Bon, on va essayer de sauver un peu les meubles. Mais je suis sûr que c'est la mort du raptor, hein. Il y a eu pas mal de dégâts aussi, je sais pas si c'est lié à ça. Ouais, je peux rien réparer, tu me diras. J'ai pas compris là ce qui s'est passé. Bon, on va le remettre dans son truc. Ah, c'est en train de revenir, on dirait. Donc là, les compis, ça commence à être pas mal. La cible est arrivée à bon port. Ici. Mais non, je repère du fric. Comment ça se fait, ça? Mais attends, j'avais rien tout à l'heure. Bon, on n'est plus qu'à moins 14 000, entre guillemets. Donc la petite futée est tranquillisée. Ah ouais, je peux même pas la soigner puisque... Ah, attends, je remonte un peu là. Alors, au niveau des fossiles, j'ai plus rien. Je vais devoir virer des scientifiques, hein. Désolé NZRB, mais là j'ai pas le choix. Recherche moins cher. Toi aussi, désolé. Et oui, je vais rendre l'argent, t'inquiète. Bon, ça remonte. Regardez, ça remonte. On est en train de revenir de loin, mais on y revient. Et j'ai pas d'argent en fait, c'est ça l'ennui. Et mon EMV là, elle est où? Elle est où la pathosaur? Voilà. Dire quand il s'échappe dans le cours, on a rejoint les outils. Non, ça va, je reviens de loin là. Ouf. Je reviens de très très loin, les gars. Pourtant, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Hein. Alors. Ok. Je pense que là, je vais rajouter une porte.
Ouais, petite futée, ouais, elle est dans un sale état, effectivement. Alors, même si elle va pas tarder à mourir, alors je me demande pourquoi j'ai fait ça, tu me diras. Et lui, il a une fracture grave de la patte. Oh, mais arrêtez avec les maladies, là, oh. Allez, le boost aussi. Mais là, j'ai que des couilles, là. Je sais pas comment ça se fait. On va... Ah, dinosaure mort. Tiens donc, qui c'est? Ah, c'est petite futée. Ouais. Bon, bon, on va la transporter, là. Alors, c'est quoi qui est mort? Cause de mort inconnue pour le tricé. Ah. Ils ont... Ah, ils ont l'arénite, ces deux-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va pas? Alors, tu sais quoi? Attends. Tu vas te prendre le contrôle. Oh, il y a un des apatosaures, là. C'est celui qu'on a endormi. Ah non, on voit les deux autres. Bon, c'est cool. Très bien. Parfait, on va aller là-dessus. La rhinite, on peut pas la soigner, non. Ok. Est-ce que je retente pas de refaire des raptors? Donc ce sera synthèse plus rapide pour toi. Bon, on s'en est tiré là du truc, je pense. Peut-être que je vais faire un commerce de bouffe en plus. Alors, qu'est-ce qui va pas? Donc là, ils en ont pas besoin. On va faire un petit commerce de nourriture ici. Vingt-six, ouais. Hop. Toi. On va te transporter, on va te remettre dans l'enclos. Oh punaise. Eh, faudrait mieux pas. J'espère qu'il va pas être malade, c'est un apatosaure. Parce que tiens. Bah tiens. Je sais comment. Tiens, j'ai trouvé comment je vais renommer un apatosaure. Un certain Alf Tigrou, tiens. Bienvenue. Alf Tigrou. Voilà. Le vénérable Alf Tigrou est dans la place. J'aime bien en plus là ce qu'il y a de bien aussi, Alf, par rapport au premier opus. T'as plus besoin de mangeoires herbivores. En gros, tu fais des plantes et tout. Grands arbres, feuilles au ras du sol, graminées au sol, etc. etc. Ils mangent. Ah, santé fragile qui ça. Alors quelqu'un n'a plus d'électricité. Ah oui, c'est le resto. Alors, niveau nourriture. Pour moi, on peut pas incuber le T-Rex, hein. Alors, qu'est-ce qu'on... On a un beau public, là. Donc, il faut qu'on continue de buffer le public, là.
Ah non, on va éviter. Voilà, ça nous fera un petit peu plus d'argent en plus. Très bien. Alors, les raptors, qu'est-ce qu'on a? Ça va me coûter 900 000 dollars ces deux-là. Oh mon Dieu. Je crois que tu as un dino qui bugue. C'est pas moi qui fais bugger au bout, c'est le transport qui bugue. Je vais le noter, hein, ça aussi pour les gros apatos, les gros dinos. Et lui, il a une... Oh putain, il a une pneumonie, ce con. Voilà, ce con, je dis ça affectueusement, attention. Bon, très bien. On va rajouter deux raptors. Ce sera incubation plus rapide. Allez. On refait, on force le parc. Ah bah maintenant il y en a deux qui ont... Ah bah bravo, tous les deux vous avez une pneumonie. Oh putain, vous êtes chiant, hein. Allez, il est temps de transférer les deux gugus. Voilà, voilà ce que je te disais, Alpha. Incubation. Aïe. Ok. Parfait. On aura un autre petit hôtel. Bon. T'inquiète, j'ai débarqué avec un pieu, monsieur. Ah bah t'avais qu'à pas faire le con, hein. Ah oh, putain, ça y est, maintenant, ça se contamine à tout l'enclos. Youpi. Qu'est-ce qu'il a encore? Apparemment, vite cette grille, s'il te plaît. Parfait. Là, on a renforcé la sécurité complètement des raptors parce que c'est des gros vicelards. Ouais. Je vais envoyer le MV. Bon, bah. Donc, on va s'arrêter là pour cette session. Donc, on essaie de résoudre les problèmes dans le parc. Hein. C'est pas évident. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite du mode théorie du chaos sur le scénario de Jurassic Park. Des bisous YouTube, à la prochaine.